votre télévision, mesdames et messieurs, merci de me choisir pour vous informer. À la une de ce soir, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux premières heures de ce lundi 19 septembre 2022 à New York pour participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont la journée inaugurale prévue pour le mardi 20 septembre 2022. Raissa Kisambala, le commentaire. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakiro, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé au premier air de la journée de ce lundi 19 septembre à New York. Le chef de l'État vient participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies dont la journée inaugurale est prévue ce mardi 20 septembre. Son allocution intervient dans un contexte national particulièrement marqué par l'agression avérée du Rwanda, les processus de paix de Nairobi et Luanda ainsi que le tumulte sur la présence de la mission onusienne au Congo, la MONUSCO. Pour toutes ces problématiques, le président Félix Tshisekedi attend de mobiliser la communauté internationale et obtenir d'elle un soutien multiforme et une réponse claire. Comme à chaque occasion que les dirigeants du monde s'y retrouvent, la question climatique revient dans toutes les allocutions et on ne peut évoquer ce problème sans faire allusion à la RDC présentée comme un pays solution. Les dirigeants du monde attendent aussi du Félix Tshisekedi un mot sur la production des minerais stratégiques, lui dont le pays est dépositaire de ces matières précieuses rares qui rentrent dans la production des voitures électriques. Signalons que le bal des discours sera ouvert ce mardi 20 septembre avec le président du Brésil comme le veut la tradition. Tshisekedi Tshilombo a reçu le week-end dernier les lettres de créance de trois ambassadeurs accrédité en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation. Le détail dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est dans la plus grande solennité que s'est déroulée ce samedi 17 septembre 2022 au nouveau palais présidentiel de Mongaliema la cérémonie des présentations des lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en RDC. Le bal a été ouvert par Jesus Del Amo Fernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba. Conduit par le chef du protocole, les diplomates ont passé en revue les détachements d'honneur. Il s'est par la suite dirigé sous la période présidentielle pour remettre au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ses lettres de créance. Autrefois ministre, conseiller à la Direction générale de la presse, de la communication et de l'image du ministère des Affaires étrangères, Jesus Del Amo Fernandez a gravi les échelons de la diplomatie de son pays. Détenteur d'une licence en relations politiques internationales, ce nouvel ambassadeur s'exprime couramment en français et en anglais. Et c'est depuis 2021 qu'il a été désigné ambassadeur en République démocratique du Congo et en République centrafricaine avec résidence à Kinshasa. Son premier contact avec le chef de l'État congolais lui a permis de se faire une idée de sa mission diplomatique en RDC. D'un ambassadeur à un autre, le tapis rouge a été également déroulé pour Roberto Parente, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. La présentation de ses lettres de créance l'accrédite officiellement comme ambassadeur en RDC. Après un bref entretien avec le président Tshisekedi, le nouvel ambassadeur a été invité à signer le livre d'or pour immortaliser ses instants. Né à Sao Paulo au Brésil le 25 juin 1964, Roberto Parente a, dans sa carrière diplomatique, rejoint l'Académie diplomatique Instituto Rio Branco en 1998. Au Brésil, il a travaillé principalement dans le domaine consulaire et à l'étranger, il a occupé des fonctions à l'ambassade de Canberra, au consulat général à Miami et à l'ambassade de Tel Aviv. Et enfin, la Turquie. Le pays du président Erdogan sera désormais représenté en RDC par Murat Ulku, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Conduit auprès du chef de l'État, le Turc a présenté ses lettres de créance, une formalité diplomatique qui consacre son entrée en fonction. Pétri de talent,
Il est un fin connaisseur de rouages du milieu diplomatique. Il a exercé dans le passé les fonctions d'ambassadeur à Ouagadougou en 2014, ambassadeur auprès du ministère la même année, ambassadeur à Yaoundé au Cameroun. Il sera entre autres chargé de renforcer les relations de coopération entre Kinshasa et Ankara, raffermies en février dernier lors de la visite à Kinshasa du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après la cérémonie et comme l'exige la tradition, l'hymne national de son pays a été exécuté à la perfection pour marquer sa prise de fonction. Restons à la présidence. Que retenir de la semaine du président allant du 12 au 17 septembre 2022? Éléments de réponse dans ce reportage de la presse présidentielle, encore une fois. Le Kenya a un nouveau président de la République, William Ruto, qui succède à Uhuru Kenyatta, l'ancien président au terme de ses deux mandats constitutionnels. Mardi le 13 septembre 2022, le cinquième président du Kenya a prêté serment au cours d'une cérémonie d'investiture en présence des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de plusieurs autres invités. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était parmi les hôtes de marque. Il a séjourné à Nairobi où il a assisté à cet événement. Dans son discours d'investiture, William Ruto n'a pas manqué de faire mention des relations bilatérales entre le Kenya et la RDC, avec notamment le projet intégrateur de construction d'une route qui devra partir de l'est du pays vers les ports kenyans de Mombasa. En Angola, les élections législatives du 24 août dernier ont été remportées par le MPLA, parti du président João Lourenço, qui se succède à la magistrature suprême. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC et de la SADC, et ses pairs, le chef d'État, qui ont effectué les déplacements de Luanda, ont assisté à la place de la République à l'investiture de leur homologue de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président João Lourenço a réitéré son engagement à respecter la constitution de la République, à promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et le progrès social pour tous les Angolais. À la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion d'évaluation du programme de développement de 145 territoires. Ce vaste programme, dont les travaux seront imminemment lancés par le président de la République, entrevoit notamment la modernisation d'infrastructures routières, des dessertes agricoles, la construction des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé et des centrales solaires qui permettront l'électrification de nombreux villages. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le gouvernement a procédé à la signature de l'accord cadre avec la société Ariz, en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ariz, une société basée aux Émirats Arabes Unis, va industrialiser l'exploitation du bois et des mines en développant le secteur import-export. Présente dans plusieurs pays africains, cette entreprise compte créer 15 à 20 000 emplois en RDC. Des questions liées à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo dans les domaines des investissements et de sécurité ont été au cœur des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec un émissaire du président américain Joe Biden, le coordonnateur spécial à la Maison-Blanche pour le partenariat aux infrastructures et investissements globaux, Austin. Porteur de messages du président américain à son homologue congolais, il a indiqué avoir eu des entretiens avec le chef de l'État sur la coopération entre Kinshasa et Washington dans le domaine des investissements et des sécurités, afin d'attirer plus d'investisseurs américains en RDC. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu l'hommage de la nation à Daniel Claude Maimputu Kouedi, qui a exercé des talents d'artiste durant une cinquantaine d'années. Le chef de l'État est venu aux obsèques organisées par la direction générale de la RTNC dans les installations de l'entreprise. Kouedi était journaliste, scénariste, metteur en scène, interprète, acteur de cinéma et auteur de plusieurs œuvres dramatiques. Le caméléon de la scène a été conduit à sa dernière demeure, à Nécropole entre ciel et terre.
hommage du président de la République également à maman Adolphine Galola Mouamoulamba, la veuve de feu, le général Moulamba Nyouni, le père biologique de l'assistant logistique du chef de l'État, Jean-Paul Moulamba. Le président de la République a réconforté la famille biologique de l'illustre disparu à l'hôpital du cinquantenaire avant l'inhumation. Du consul du ministre de la République démocratique du Congo, présidé par le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le week-end dernier. C'était à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs points ont été évoqués. Les détails dans ce reportage. Au cours de la 69e réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi dernier par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs questions vitales ont été passées en revue. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De l'adhésion de notre pays au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin. Le président de la République est déterminé à voir notre pays tirer les profits des avantages liés au secteur du bambou et du rotin. Dans la droite ligne de la diplomatie agissante, la République démocratique du Congo s'est déjà engagée dans les processus d'adhésion au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin INBAR. À ces sujets, le gouvernement de la République a adopté la politique nationale du bambou en août 2021 et notre pays a obtenu les statuts d'État observateur depuis le 22 octobre 2021. Les deuxièmes points de la communication du président de la République a porté sur la vente et la mise en concession à long terme du patrimoine de l'État. Dans l'objectif de mettre fin aux abus constatés par le passé, lesquels ont conduit à la dépossession graduelle de l'État d'une partie importante de son patrimoine, aussi bien minier, foncier ou encore immobilier, sans contrepartie significative. Le président de la République a encouragé le gouvernement dans son action visant à récupérer le patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, détenu ou acquis indûment par des tiers, à veiller à la transparence et au respect des lois. Le Premier ministre a été chargé de veiller au respect strict de cette instruction. Dès la sécurité routière de route nationale, et de la lutte contre les accidents des circulations sur la voie publique. Le président de la République est préoccupé par une récurrence inquiétante des cas d'accidents des circulations causés par les stationnements sur la voie publique des engins roulants, souvent chargés de fortes capacités de tonnage, en panne ou victimes d'accidents, particulièrement sur les routes nationales reliant la capitale aux provinces. Il devient plus qu'urgent de mettre fin à ces phénomènes qui s'amplifient et tendent à se normaliser, alors qu'il est la source de nombreux accidents avec de pertes en vies humaines et dégâts matériels considérables. Le président de la République a appelé à la définition des stratégies devant conduire sur le court terme à la mise en œuvre d'actions ciblées et sur le moyen et long terme à la formulation des politiques publiques appropriées afin de sécuriser les routes à travers notamment des mécanismes de dépannage et d'alerte en cas d'accident et de panne, la construction d'aires de repos des centres de santé des premiers secours aux abords des routes nationales. À noter que ce conseil est tenu en présentiel à la cité de l'Union africaine. Parlons politique à présent, la rétro-commission c'est de la corruption. Telle est la réaction de Prince Tengue, président de ADD Congo, suite au scandale qui a conduit les conseillers en matière stratégique du chef de l'État, Didier Chimanga Chimpanda, à sa démission. Il a été joint par téléphone par notre rédaction active. Les scandales de la corruption en plein air du conseiller spécial de M. Félix Tshilombo, Didier Chimanga, est malheureusement un cas général. Ce n'est pas un fait isolé. Didier Chimanga fait partie d'un système
des corruptions généralisées dans les institutions et malheureusement jusqu'au sommet de l'État à la présidence. Comment est-ce qu'un conseiller spécial peut lui-même se faire corrompre, peut solliciter la corruption avec conviction comme il l'a fait si c'est un cas isolé? C'est comme ça le procédé. C'est comme ça le système. Aucun investisseur ne peut venir investir au Congo sans passer par des conseillers qui demandent 30%, 20% de commission. Tout le monde sait que selon les lois congolaises, la rétrocommission est une corruption. Souvenez-vous quand, à l'époque, le président Louis Martin Fayulu avait mis la pression sur l'administration de Félix Tshisekedi pour lui rappeler que dans l'affaire de la décote pétrolière des 15 millions qui s'étaient évaporés des caisses de l'État, Félix Tshisekedi disait à l'époque que c'était normal parce qu'au Congo, disait-il, la rétrocommission est autorisée. Non. Aujourd'hui, nous venons de voir avec Vidi Etchimanga. Et nous pensons que la démission ne suffit pas. Tous ces conseillers-là, apparemment, s'en donnent à ce type de pratique. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, et d'ailleurs Mike Hammer, l'ancien ambassadeur américain, l'avait dit, que les investisseurs ne viendront pas au Congo sous Félix Tshisekedi parce que la corruption est généralisée. Parce que si vous voulez ouvrir votre entreprise à la présidence ou au gouvernement, on va vous demander 10%, 15%, 20%. Quel est cet investisseur qui viendra au Congo créer des emplois en sachant que pour qu'un conseiller ou un ministre puisse apposer sa signature, il faut donner de l'argent. Malheureusement, ça n'a pas changé. Tous ces antivaleurs que nous avions combattus sous Kabila, c'est exactement ce que l'entourage de M. Félix Tshilombo est en train de faire. Et donc, nous pensons que c'est à son niveau. Mais qui a nommé Vidi Etchimanga? Qui a nommé Lobo, qui a été corrompu à son époque? Qui a nommé tous ces gens-là qui se font corrompre? C'est Félix lui-même. Donc, à un moment donné, il faut commencer par les sommets. Vidi Etchimanga démissionne. Mais qui nous dit que le mal va s'arrêter par là? Non, le mal va continuer. Parce que le mal, apparemment, commence par la tête jusqu'aux pieds. Et donc, à un moment donné, nous pensons que c'est le peuple qui va tirer les conséquences en 2023 et nous débarrasser de tous les systèmes. Parce que si Vidi Etchimanga est un élément du système, l'ensemble du système, lui, il est aussi corrompu. Et donc, il faut faire tabula rasa. Parce que nous avions dit au sein de la Mouka avec le président Martin Fayulu que nous combattrions la corruption comme de la peste. Et c'est ce que nous avons commencé avec les salaires mirobolants des députés nationaux. Restons en politique, meeting d'une partie mouvement lumumbiste progressiste dimanche dernier au stade municipal de Matina à Kinshasa. Franck Diongo, président de ce parti, a qualifié la gestion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de chaotique. Et pour ce faire, il y a un carton rouge aux prochaines élections. Suivez ce propos recueilli. Du côté de la RDC, Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste, a administré un carton rouge au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour déficit de leadership politique le dimanche dernier devant la population au stade municipal de Massina. C'est pour rendre hommage aux victimes de la démocratie, nos combattants qui ont été assassinés, tués parce qu'ils réclamaient les élections. C'est le sens de continuer les combats dans la logique de Lumumba et de Tshisekedi le père, de ne jamais trahir le Congo et d'aller dans le sens de transformer le Congo en état de droit dans la vision du peuple d'abord. Parce que l'actuel régime s'est écarté de la ligne. La population, vous avez vu vous-même, j'ai posé la question à la population plusieurs fois et la population a confirmé qu'on ne peut plus donner au président Félix Tshisekedi un carton jaune, c'est-à-dire pas d'avertissement, c'est-à-dire qu'il a dépassé la ligne rouge, il faut seulement un nouveau président.
président à travers les élections. Les caps sont pour les élections honnêtes, transparentes et sincères. On ne revient plus sur le méfait du régime parce que la population a déjà tranché. C'est un vote massif, ça s'appelle le désavis massif. Donc l'essence qu'il faudra donner à ces cartons rouges, c'est l'alternance crédible qu'il faut constituer dès aujourd'hui et se préparer pour changer les choses radicalement. Sur la réclamation du changement, l'essence qu'il faut donner, les peuples voudraient que les choses changent. Donc, un vrai changement, un changement réel. La réaction ne se fait pas attendre du côté de l'UDPS. Je vous laisse suivre Jean-Claude Punga, cadre du mouvement de solidarité allié à l'IDPS. Je serais tenté de dire comme le vieux Mbosoke, non, ce sera théâtré. Moi, je pense que le vieux devrait se ressaisir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il parle du changement, il parle d'un carton rouge. Je crois que c'est mal appliqué même la politique de son maître, de notre maître, qui est le sphinx de l'humanité, de heureuse mémoire. C'est vraiment pour moi un non-événement. Je ne voudrais pas qu'il parle au nom du peuple, parce qu'il a dit la population. Bien que cette notion de peuple et de la population est vraiment relative, et je pense que Franck Diongo n'a pas interrogé même deux personnes qui sont derrière lui et qui peuvent l'attendre et l'accompagner dans cette voie-là. Donc le président de la République, aujourd'hui, tout mon avis, c'est que le président a apporté. Je pense, Walter, on pouvait parler même de ce budget qui est posé par le Premier ministre Samalou Kondé, qui est de l'ordre de 14 milliards, qui envoisine déjà 15 milliards. Nous ne craignons rien, même au niveau de mon parti, avec l'autorité morale, Laurent Batoumonda. Nous savons que le président de la République aura un deuxième mandat et en face de lui, il n'y a rien. Quittons Kinshasa pour l'Est de la République démocratique du Congo. Lutte contre la fraude douanière en Ituri, le gouvernement militaire. Le lieutenant général Luboya Kachama Djoni renforce la présence des agents de l'OCC dans toutes les entrées de la ville. Objectif, maximiser les recettes pour le compte du trésor public. Les détails dans ce reportage de Junior Télémani. Dans le souci de lutter contre la fraude douanière en province de l'Ituri, qui du reste constitue un manque à gagner pour le compte du trésor public, le gouverneur militaire de l'Ituri vient d'ordonner la réinstallation de l'OCC aux différents postes de péage de la DGRPI de Mouzipela, Délé et Lengabo. Cette décision a été portée à la connaissance du comité provincial de la FEC Ituri. C'est vendredi. C'est eux au cours d'une réunion communicationnelle à laquelle avait pris par la douane pour le chef d'agence de l'OCC Bounia, Freddy Nguomoja. La présence de son service au point d'entrée de la ville de Bounia vise à épargner la population contre tout produit impropre à la consommation. L'OCC travaille au niveau des barrières érigées par l'État congolais. Le cas de Bounia, nous avons l'autorité provinciale qui a créé des barrières pour la DGRPI. C'est au niveau de ces barrières que nous travaillons. Et quand nous travaillons dans ces barrières-là, c'est juste pour faire la contre-vérification des contrôles qui s'est fait en amont. Et la contre-vérification consiste à quoi? Quand on est devant un produit, une marchandise, nos agents qui sont là demandent à l'opérateur économique ou à son préposé de présenter les documents comme preuve des contrôles de cette marchandise en amont, aux frontières. Et lorsqu'ils présentent, nous ne faisons qu'enregistrer à ces postes-là. Nous ne facturons pas et nous ne percevons pas. Occasion pour le numéro 1 de l'OCC à Ituri d'appeler la population à continuer toujours de faire confiance à ses services de l'État. Continuer à faire confiance à l'OCC. L'OCC Ituri aime bien les Ituriens. Pour preuve, à travers la province de l'Ituri, l'OCC a créé des infrastructures modernes. L'OCC a donné l'eau à la population iturienne partout où il a construit. Pourquoi? Parce que l'OCC aime voir la population iturienne en bonne santé. L'OCC en Ituri fait correctement son travail. Il ne laisse pas passer du n'importe quoi. Et nous avons des laboratoires en Ituri. À Bounia, nous avons un laboratoire. À Aro aussi, nous avons un laboratoire. Dans ces laboratoires, tous les échantillons prélevés sont analysés et les résultats
sont envoyés aux opérateurs économiques. Et c'est là pour l'intérêt du bien-être de la population. Outre sa mission première, Devoli a le tas de sièges, celle d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Le lieutenant général Boyanka Chomadjoni s'est assigné comme objectif de lutter contre les antivaleurs et la fraude en vue de maximiser les recettes pour le compte du trésor afin de permettre au pouvoir public d'amorcer les projets de développement au profit de la population. De l'Ituri au Nord Kivu, surpris dans une réunion de planification de massacre de la population à Butembo dans la province du Nord Kivu, combat les paniques. Jean-Baptiste alias Kiangenda, leader du groupe armé Maïmaï Kiangenda, supplétif des terroristes ADEF, a été capturé par les forces armées de la République démocratique du Congo avec 10 membres de son mouvement. Le détail dans ce reportage de Dorcas. Auteur de plusieurs cas de tuerie en province du Nord Kivu et de l'Ituri, avec son groupe armé Maïmaï Kiangenda, Kambale Paluku, Jean-Baptiste alias Kiangenda, est finalement arrêté avec ses 10 acolytes par les forces armées de la République démocratique du Congo dimanche dernier à Butembo, au Nord Kivu. Et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est tel, c'est tel. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier. Rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. L'arrestation de ces leaders Maïmaï intervient quelques jours après la déclaration du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, reconnaissant Kiangenda comme le principal auteur de la récente tuerie des civils à Biakato. C'était lors de la présentation des 5 ravitailleurs et collaborateurs des ADEF arrêtés à Boga le 16 septembre dernier. Retenons que cette nouvelle est bel et bien confirmée par le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord basée au Nord Kivu. Parlons sport à présent. Le président AI de la FECOFA, dont l'ancien Chimanga Mwamba, a effectué une défense surprise au village Venise dans la Célé, lieu où se préparent, où sont internés les Léopards Espoirs et les stars techniques de la cité sélectionnées nationales qui sont à pied d'œuvre depuis dimanche 11 septembre 2022 en marge de la double confrontation aux Wallons Espoirs éthiopiennes le 22 et le 27 du mois en cours. Les détails dans propos. Vous connaissez que je suis à la Fédération à cause de football. Là où il y a les joueurs, moi je dois être là. Même s'il fallait dormir par terre, je dormirai. Je suis venu pour donner des conseils au staff technique et aux joueurs que je n'ai pas trouvé qui sont à l'Anvil, mais médical pour les examens. Si j'aurai la chance de les retrouver encore demain, je vais encore passer pour un peu les conseiller comme je conseille tout le monde. Je dois être ensemble avec les équipes nationales, partout où ils passent. Parce que notre travail n'est pas au bureau. Au bureau, nous allons faire quoi? Alors nous devons être avec eux, les encourager. Encourager aussi les entraîneurs comme je viens de les conseiller pour que, qu'ils puissent chacun à son tour faire ce qui est mieux pour la victoire en Éthiopie et chez nous. Parce que moi, je vais me déplacer pour l'équipe A. Vous connaissez, nous avons perdu 2 matchs. Nous devons cohabiter les efforts pour que, qu'on puisse se reclasser. Voilà pourquoi je suis venu au grand matin pour un peu voir comment vivre toute la délégation qui se trouve ici. Le directeur technique national de la FECOFA, Médard Moussa Dissou, s'est dit satisfait des potentialités des joueurs sélectionnés dans l'équipe à l'issue du match aligné contre l'AS Maniema Union de Kindu. Le directeur technique national de la FECOFA donne son point de vue dans ce propos recueilli par Fred Abala. Il faut plutôt considérer le match
et d'entraînement d'hier, la première rencontre, et qui a donné une très belle image de l'effectif. Et le potentiel y est, c'est ce que je dois dire. Et parce qu'aujourd'hui, il y avait une séance de décrassage pour ceux qui ont joué hier. Et puis, une séance normale pour le groupe de Mazembe qui s'est ajouté pour renforcer l'effectif, ainsi que ceux qui n'ont pas joué en plein régime hier. Mais donc, nous devons plutôt considérer le rapport et de la lecture, plutôt l'analyse du match joué hier contre Maniema Union, et qui est un match qui a donné une meilleure image de cette équipe et qui a ressorti les différents aspects qui doivent continuer à être travaillés par le staff. Donc je dis en gros, le potentiel y est, il faut continuer à travailler avec eux en faisant de bons choix tactiques, de bons choix sur l'effectif. Je suis content que les entraîneurs sont en train d'insister sur le mental, les joueurs, donc en dehors du talent, et que les joueurs s'appliquent. Et dans l'application, on veut de la mobilité, parce que c'est ce qui fait la différence dans le football actuel, et un mental de gagneur. Ça, c'est ce que nous sommes en train de rechercher au niveau de la détente. Personnellement, j'ai eu attache avec le secrétaire général, et qui a répondu à cette question au sélectionneur, donc je laisse la primeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre niveau, nous plaidons qu'il y ait une petite période d'acclimatation de l'équipe, parce que l'équipe va aller jouer en altitude. Nous sommes très bas, donc il y aura des problèmes d'oxygénation. Si on n'arrive pas très tôt, c'est pas difficile. C'est soit on arrive les mêmes jours du match pour qu'il n'y ait pas de problème de carence en oxygène, mais c'est ce qui est difficile. Donc il faut aller un peu plus tôt afin de permettre aux joueurs de s'acclimater, et c'est un impératif physiologique. C'est un plaidoyer que nous avons présenté déjà auprès de la hiérarchie et certainement qu'ils sont en train de travailler pour. Mais nous sommes d'avis que le souhait aurait été, donc pour que les entraîneurs, on leur a dit de travailler en considérant que soit il peut partir plus tôt, soit il peut partir peut-être à 2 jours avant la compétition. Changeons de chapitre pour boucler cette grande édition du journal. Le secrétaire général des Nations Unies a reconnu, sans passer par 4 chemins, l'incapacité de la MONUSCO de faire face au M23 lors d'une interview accordée dimanche 18 septembre 2022 à la chaîne française France 24. Suivez. Manifestation, le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de l'armée. La vérité vient d'éclater lors d'une interview accordée dimanche dernier au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la chaîne française France 24, sans passer par 4 chemins, Antonio Guterres reconnaissant l'incapacité de la MONUSCO à résoudre le problème de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu, avec le phénomène M23. Le CG des forces de maintien de la paix dans la mission onusienne a dans la foule appelé Kinshasa à ouvrir des discussions sérieuses avec Kigali et Kampala. Viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. A tenté de justifier le représentant spécial de l'ONU revenant sur les dernières manifestations violentes qui ont eu lieu dans le Kivu pour exiger le départ de la MONUSCO jugée inefficace par la population locale.
Retenons que le secrétaire général Antonio Guterres soutient de ce fait qu'il est essentiel qu'une discussion sérieuse soit organisée entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda afin d'avoir une perspective commune pour éviter cette situation permanente qui détruit toujours les efforts réalisés, même lorsque des progrès ont été faits, a-t-il expliqué. Fin de cette grande édition du journal, merci à vous qui nous suivez depuis vos maisons. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Cette grande édition qui porte la signature de Junior Dinanga. Bonne suite de nos programmes.